Schwanner, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle directrice du Salon du Livre. Oui. On est ravis de vous accueillir ici. Merci. Et on aimerait tout savoir sur vous. Alors, est-ce que c'est possible, dans le court instant qui nous est imparti, je vais vous poser une première question. C'est votre premier salon ? C'est mon premier salon du livre. Voilà. J'ai fait 5 autres salons au préalable à Palexpo, oui. Les automnales. Donc la grande foire de Genève avec tous ces salons parallèles, donc voilà. Autre contexte. Oui. D'accord. Alors quelle est la différence entre un salon des automnales, hein, qui s'appelle les automnales, et le salon du livre ? Il y en a beaucoup, mais les principales, je dirais... Je vais peut-être commencer par les similitudes, c'est-à-dire la logistique qui finalement est la même. D'accord. Et puis finalement la préparation qui est assez similaire puisque du moment où on décide du projet, du plan marketing jusqu'à la réalisation sur place, finalement on passe par les mêmes étapes. D'accord. Et quels sont alors, donc vous êtes fraîchement arrivée, donc quelle est votre nouvelle vision en tant que directrice du Salon du Livre ? Alors d'abord, je m'imprègne beaucoup de ce qui se passe maintenant. Bon, c'est un salon que je connaissais puisque je l'ai visité les 5 dernières années. J'ai même travaillé un petit peu dessus sur des projets parallèles avec mon ancienne collègue. C'est vrai que c'est un salon qu'on a envie quelque part de populariser un petit peu plus, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on y voit beaucoup d'enfants dès le matin, on y voit beaucoup d'aînés l'après-midi et on a envie de promouvoir un peu plus ce salon auprès de la classe des 30-50 ans. Je crois qu'il y a encore un gros travail à faire pour faire venir cette clientèle. Quels sont les défis que vous avez ? Parce qu'on entend parler des audiobooks, donc des livres qu'on peut écouter. On entend parler des e-books, hein, donc pas du livre papier mais les livres digitaux. Puis il reste les livres papier. Puis... Personnellement, je suis très attachée au papier, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont très attachés au papier. Donc ça fait partie des défis que vous avez. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors, ça fait partie des défis qu'ont les libraires et les éditeurs. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'en même temps, quand on en parle avec eux, ils ne le sentent pas comme une menace, mais comme une opportunité. Une opportunité de vivre et le papier et le numérique en même temps. Nous, c'est vrai qu'on doit intégrer cette donnée. On doit faire avec le numérique et proposer des supports, si possible, numériques. Mais je crois qu'il y a quand même avant tout un attachement au papier important, ce qui fait qu'on a la chance de pouvoir encore monter ce type de salon aujourd'hui. Est-ce que la lecture est... devenu ou redevenu quelque chose de populaire ? Parce que ça, c'est un peu perdu avec le web, les gens sur les réseaux sociaux, sur le site internet, etc. Donc, la lecture, là au milieu, perdue, où est-elle ? Je crois que justement, il y a un retour vers la lecture et c'est ce qu'on aime mettre en avant et c'est ce qu'on veut promouvoir. Il y a un retour sur une lecture peut-être différente d'il y a 10 ans, certainement. Il y a une lecture jeunesse qui a vraiment pris le vent en poupe. Il y a cette lecture des polars, notamment. On a maintenant en fait des thématiques fortes qui tirent ce marché vers le haut. Donc, au lieu de parler de littérature en général, on va parler thématiques, encore une fois, polars, jeunesse, BD. Donc, nous, on essaye d'actionner ces leviers-là qui sont des leviers importants pour faire venir le public. Les polars, jeunesse, BD, est-ce que ce sont des thématiques fortes ? C'est-à-dire que les gens lisent beaucoup ce type de support de lecture, oui. Ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont, je dirais, phares, qu'on peut faire découvrir, redécouvrir ou qui sont complètement nouveaux ? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement ces secteurs phares, ces thématiques phares qui permettent d'attirer du monde et qui notamment permettent d'attirer des jeunes parce que cette littérature jeunesse n'existait quasiment pas il y a une quinzaine d'années. Donc, ça permet de faire venir cette clientèle-là. Et puis après, la place des éditeurs ici est de montrer des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, il y a tout un tas d'éditeurs qui finalement viennent avec des productions qu'on ne trouve nulle part. Et c'est ça qui est important. Il y a ce lecteur qui vient chiner, faire de nouvelles découvertes qu'il peut seulement trouver au salon. Dites-moi une chose, au salon du livre, bon, il y a des livres hein, forcément, parce que c'est le thème principal, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'articulent autour du livre ? Je peux imaginer de l'art, de la peinture et des choses comme ça. Personnellement, ayant visité le salon du livre chaque année, je me rends compte que parfois je découvre d'autres choses que de la lecture. Il y a autre chose que de la lecture nécessairement. Il y a des scènes, comme vous avez pu le voir, avec des acteurs, des auteurs qui interviennent. Il y a énormément d'ateliers. Cette année, on parle par exemple de booktubing. Enfin, c'est un terme qu'on ne connaissait pas encore il y a 5 ans. Donc, comment les jeunes peuvent mettre en valeur leurs livres sur des chaînes YouTube ? Évidemment, c'est dans l'air du temps. Bien sûr. Et puis, tout un tas d'animations sur l'espace New York. On fait de la danse, on fait du graphe. Typiquement donc, new-yorkais. Toutes les formes d'art, finalement. Donc, toutes les formes d'art. Donc, moi, j'aimerais même encore développer ça. Pourquoi pas le théâtre, l'impro, le slam. Enfin, toutes ces techniques, finalement, on joue avec les mots. C'est la même chose, mais avec un support différent. Alors, on a pu lire dans la presse, je n'aimerais pas en particulier, que cette année, le Salon du Livre est très orienté développement personnel et bonheur.
moi j'adore ces thèmes, je suis la première fan de ces thèmes. Par contre, qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet ? Alors c'est un domaine qui évolue aussi d'année en année, et là la grande mode, on est passé de l'estomac directement la digestion, à la sexualité féminine, donc sans transition. Et puis je crois c'est pas très loin en même temps. C'est pas très loin, c'est un, voilà, on va dire assez naturel. Mais il y a aussi cette grande thématique des arbres, de l'amour pour les arbres, de la communication avec donc les arbres, la connexion avec la nature. Ça a pris énormément d'ampleur cette dernière année, et c'est un gros développement sur le salon. Ouais. Je me rends compte, à force d'interviewer des auteurs, mais tout le monde s'en rend compte, qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont en fait un travail principal et qui écrivent à côté. Donc il y a une tendance à l'écriture qui est finalement aussi une thérapie, ce que j'entends aussi très souvent. Et je me suis aussi rendu compte qu'au Salon du Livre, il y a des auteurs qui sont psychologues, psychiatres, chefs d'entreprise. Est-ce que vous avez, qui voyez beaucoup d'auteurs et beaucoup d'éditeurs, est-ce que vous êtes témoin de cette tendance-là ? Oui, tout à fait. On a même des hommes politiques cette année qui écrivent qui justement revendiquent leur statut d'écrivain et ne veulent plus qu'on les considère comme des hommes politiques. Donc, ils sont devenus une autre figure, finalement, à travers cette écriture. Donc oui, c'est une tendance. Et puis maintenant, chacun écrit. Il y a des supports. On peut écrire ce qu'on appelait son journal intime à l'époque, qui sont devenus maintenant ces nouveaux livres tendance, oui, tout à fait, qu'on peut acheter déjà tout fait, dans lesquels on peut coller multiples choses. Moi, j'ai une jeune adolescente à la maison, elle est vraiment friande de ce type de support. Est-ce que le web est une compétition directe aux maisons d'édition ? Non, encore une fois, je crois que c'est un complément. Il faut vraiment pas le voir comme une menace, mais comme un complément. Ils ont la possibilité, s'ils le font bien, justement, d'utiliser un autre réseau, finalement, pour atteindre leurs lecteurs. On ne pourra pas lutter contre le web, donc autant l'embrasser, finalement. Et comme l'auto-édition, finalement, la même chose, les gens qui auto-éditent, sur papier, je parle. Oui, oui, alors l'auto-édition, moi, je trouve que c'est justement un peu une success story, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui peuvent exister à travers l'auto-édition, et qui d'ailleurs, maintenant, sont repérés, et ensuite, on leur propose même d'imprimer un livre, donc on prend le chemin inverse. Alors moi, j'ai envie de vous poser une ou deux questions à vous, Laurence Brenner. Qui est Laurence Brenner ? Avant les automnales et le Salon du Livre, vous étiez où ? Vous faisiez quoi ? J'étais une hôtelière. Donc pendant 17 ans, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe entre Paris, New York et Genève. Waouh, d'accord. Donc voilà, j'ai appris à gérer des personnalités difficiles, on va dire. Ça peut être très utile dans certaines entreprises. Ça peut être très utile. Et non, voilà, j'ai évolué dans le monde du luxe avec cette ouverture internationale. C'est amusant parce que vous passez du luxe à des choses très simples comme les automnales et magnifiquement populaires comme la lecture. Donc vous êtes passé d'une extrême à l'autre presque. Je suis un peu touche en douceur. À tout. Un peu touche à tout. Et puis je pense qu'avec l'âge, on commence on s'assagit et on voit ce qui est important, ce qui nous fait plaisir. Essentiel. Je suis aussi une grande lectrice, donc c'était finalement une évolution évidente. Laurence Brenner, on vous remercie infiniment de ce moment de partage avec nous. Merci à vous. On espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès pour ce premier Salon du Livre que vous dirigez. Merci beaucoup. Merci à vous.